Salut, salut, j'espère que tu vas très très bien. De mon côté, ça va super super bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment télécharger l'application PixelLab. Quand je te parle de PixelLab, il y a plusieurs versions de PixelLab. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment accéder à mon canal Telegram pour pouvoir avoir accès à toutes les versions de PixelLab que tu souhaites installer. Mais avant ça, je tenais à t'informer que c'est pas la version de PixelLab que tu utilises qui te donnera de bons résultats. Quelle que soit la version que tu utilises, tu pourras produire des images, des affiches et post-fonds sur PixelLab. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'une formation, de ces essais et de laisser le temps à ton esprit créatif lorsque tu utilises vraiment l'application. Pourquoi j'en parle? Parce que beaucoup m'écrivent en disant qu'ils veulent forcément telle version, qu'ils sentent que c'est mieux avec telle version, il y a beaucoup de police. Or, c'est tout ça, c'est faux. Lorsque tu n'as pas de police disponible sur une version, tu peux en télécharger et installer. Lorsque tu n'as pas un objet graphique sur une version, tu peux en télécharger et l'installer. Vous voyez la différence à ce niveau. Donc, quel que soit ce que tu fais, c'est vrai, de préférence, d'autres préfèrent utiliser telle version à telle version. Oui, c'est normal. Mais il faut noter que c'est pas la version qui te rend meilleur, au fait. Ce qui te rend meilleur, c'est ce que ta créativité, la maîtrise que tu as de l'outil que tu utilises. C'est ça qui va te rendre meilleur. Donc, continue à regarder les tutos, commenter, continue à améliorer ce que vous faites, chercher la perfection dans ce que vous faites. C'est-à-dire, regardez des tutos de ceux qui maîtrisent mieux et cherchez à améliorer. C'est pas la version de PixelLab que vous utilisez qui va améliorer vos résultats, vos affiches au fait. Donc c'est ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Pour installer, quelle que soit la version que tu veux de PixelLab, va en description de cette vidéo, tu verras mon lien Telegram. Tu entreras dans, tu cliqueras dessus. Une fois dans le niveau de mon canal, tu auras toutes les versions de PixelLab que tu veux. Il suffit juste de cliquer dessus pour pouvoir l'installer. Je rappelle, vous ne pouvez pas l'installer sur un iPhone. PixelLab s'installe simplement sur et seulement sur Android. Actuellement, la version qui est beaucoup, à ma connaissance, c'est pas encore disponible, la version iOS. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Va en description de cette vidéo, clique sur le premier lien de Telegram qui va t'orienter vers mon canal pour pouvoir télécharger la version de PixelLab que tu veux. Comme tu le vois à l'image, il y a beaucoup, beaucoup de versions qui sont disponibles actuellement dans le canal. Donc va directement, clique sur la, c'est déjà en APK, il suffit juste de télécharger et tu pourras l'installer directement sur ton téléphone. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de dire merci, simplement merci. C'est gratuit, merci. Donc, juste un like, c'est gratuit. Faut laisser. Donc, ciao, ciao.